Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, notre équipe d'EV Service est présente aujourd'hui à Bègles, à côté de Bordeaux, pour pouvoir réaliser une prestation de débarras et désinfection d'un logement. C'est une association tutélaire qui a fait appel à nos services, puisqu'il y a besoin de débarrasser et désinfecter ce logement pour pouvoir le restituer au bailleur. On estime à peu près à plus de 100 mètres cubes le volume d'affaires. La personne souffre typiquement du syndrome de Diogène avec de l'accumulation compulsive d'affaires en tout genre. Et donc, je vous propose qu'on s'équipe pour que vous puissiez voir l'état du logement dans lequel on va intervenir. Ensuite, les équipes interviennent pour avancer progressivement pour pouvoir désencombrer les espaces tout en faisant un peu de tri pour essayer de garder les objets de valeur, les souvenirs, les choses que la personne va récupérer. Dans ce cas de figure-là, la majorité des choses seront évacuées en centre de tri. Eh bien, c'est bon, la prestation vient de se terminer. L'équipe de V-Service est donc intervenue pour procéder au débarras et à la désinfection du logement. Donc, il y a eu un tri minutieux des affaires qui ont été faites pour pouvoir restituer les affaires en état, de documents, objets de valeur, souvenirs, la cliente. Et ensuite, essayer au maximum orienter toutes les affaires non conservées mais encore en état, les orienter vers des ressourceries pour qu'on puisse avoir une vie. Et puis tout ce qui était vraiment dégradé a été emmené en centre de tri et de recyclage. On a évacué à peu près 100 mètres cubes en termes de volume, ce qui représente 5 tonnes 300 voilà, qui ont été évacuées avec nos utilitaires. Ensuite, au niveau de la désinfection, ce qui nous a été demandé, c'est de faire un travail sur les sols pour pouvoir les décrasser et ensuite tirer tout ce qui était toile d'araignée là, et de finir par une désinfection par un fumigène. Voilà, écoutez, je vous propose de venir voir le résultat avec le avant-après intervention de EV Service.
de V-Service, le plaisir de rendre service.